Hey, salut à tous, j'espère que vous allez bien et on se retrouve pour le troisième épisode de En route vers le SSL. Et c'est parti! Depuis la dernière fois, j'ai un petit peu joué, je suis un peu descendu. Bon, c'est pas très grave, c'est plus un retour champion que retour SSL, mais c'est pas grave, on va quand même jouer au jeu, on va pas se décourager pour si peu. Je vais répondre à une question. Ma Fennec est noire, c'est grâce à Backest Mode. Voilà, ok, on est d'accord parce qu'on me le demande souvent en stream, donc je le dis directement en vidéo. Comme ça, tout le monde est au courant. Ok, donc dans la première game, donc c'est à peu près du 1570. Ok, il veut pas y aller. Bon, il a pas pris le boost finalement. Attendez, il y a malaise. Ok, tout va bien. Bon, je vais voler au cas où il veut redirect. Je vais pouvoir la choper si. Ok, c'est pas très grave, je l'ai en deux fois. Je pensais pas qu'il allait sauter parce que ça se voyait que je l'avais. Mais c'est pas très grave. On va dégager sur le côté. Bon, j'ai eu du mal à contrôler. Mais heureusement, il la joue pas. Je vais fake un peu avec mon wave dash pour choper un 50. Bon, je perds. Je vais continuer. Hein. Ça va. On s'en sort plutôt pas mal, on va chercher du boost. Je peux turn, mais comme ils sont loin, je vais pas taper dedans tout de suite. Je vais juste partir un peu sur la droite. Lever la balle. Si je peux, je vais continuer à contrôler, parce qu'il va pas se jeter, lui. Il sait qu'il est dernier def. Du coup, on peut en profiter. Voilà, également, c'est mon tour. Hop. Bon, j'ai pas trop de boost, mais on va quand même feinter un peu l'action. Ok, là, on est full boost. On va follow, on voit qui gagne. On va tenter ça. Bon, c'est totalement raté. Et je voulais être sûr de pas me faire contrer. Du coup, j'ai joué le contre. Mais j'étais un peu lent. J'avoue, j'étais un peu lent là-dessus. J'aurais pu trust un peu plus tôt. Bien joué à mon allié qui a turn pour récupérer cette balle et la mettre au fond. Au fond du but. J'ai récupéré juste le boost, frérot. Bien tenté. Bon, là-dessus, c'est un peu chiant. Bon, il rate son aérienne, tant mieux. Je pense qu'il rate aussi. Ok, il a bien fait de revenir contrer cette balle, sinon c'était open. Donc là, je vois qu'il est un peu sur la droite. Bon, à la base, c'est pas ce que je voulais faire. Je voulais la mettre au-dessus du backboard. J'ai vu qu'il allait pas sur le backboard. Je voulais la mettre sur le backboard pour jouer un double tap. Mais bon, j'ai un peu raté mon tir. Bon, je voulais juste la pop un petit peu. Là, mon allié, je pense qu'il peut la récupérer. Là, on vient de voir qu'il est parti au boost derrière. Du coup, il suffit de gêner et il pourra la récupérer. S'il avait turn, bien sûr, je lui aurais laissé, mais j'étais un peu obligé de cut ici. La petite fake qui passe, ok. Oula. Petit malaise, bon, c'est pas très grave. On va y aller doucement. Il rend la balle normalement. Ok, il peut pas l'avoir, je fais pré-shoot. Bon, je me suis totalement raté, mais. C'est une bonne chose. Ok, il n'y a pas but encore. Juste la mettre sur le côté. Ok, c'est pas dangereux, je pense. On va faire notre OTA. Notre OTA, même si on n'a pas de boost, c'est pas très grave. On va attendre. Je pense qu'il me bat. Mais il ne peut pas mettre de but, à moins que si. Ok. Alors, pour quelle raison il y a but ici? Je veux juste savoir ça. Hein. C'est pas du tout pour flame ou quoi. Ok, il a juste commit un peu trop, mais en vrai, c'était pas si facile, je suppose. J'ai 20 boosts, on va attendre tranquillement. Ça, c'est une bonne balle pour tirer. C'était pas très, en termes de création de jeu, c'était pas très créatif, mais ça peut toujours passer, ou même s'il rend une mauvaise balle. Ok. Voilà, c'est un peu chiant. Je suis obligé de me jeter. Ça va, j'arrive à bien contrer. Là-dessus aussi, mais je sais qu'il a encore l'intention d'y retourner. Bon, c'est pas fou ce qu'il fait. Hein. Je sais pas ce qu'il fait. Il fait beaucoup de mécaniques en soi pour pas grand-chose. Si on peut appeler ça des mécaniques. Et c'est une belle passe. Bien joué à toi. Joué un petit 50-50 ici, mais c'est clairement, clairement très bien joué. Bon, j'ai été bump un peu loin, mais c'est pas très grave. Je vais mettre le bas comme j'ai très mal sauté. Je vais en profiter juste pour tirer fort. Ah, j'ai pas réussi à avoir mes 4 roues là. C'est dommage. Il va pas l'avoir, j'ai juste sauté pour être premier, c'est très nul ce que je viens de faire. Bon, c'est pas très grave, il me tire dessus, tant mieux. Est-ce qu'il peut l'arrêter? Ouais. Mais moi aussi.
Juste derrière. Ok, il sera, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. On s'en sort bien finalement. Essayer d'avoir un contre. Ok, c'est pas grave. Il peut me la donner peut-être. Ouh, j'ai été bump en plus. Dommage. Bon, là-dessus, là-dessus c'est dommage. Hein. Le turn n'est pas très bien réalisé. Ah, il s'est fait contre. J'avais pas vu qu'il avait suivi lui. C'est pas vraiment, il s'est fait contrer. Il a juste pris un 50 finalement. Mais en dernier def, un 50, c'est pas l'optimal, quoi. C'est pas optimal. Ok. Donc là, on peut suivre, je pense. On va attendre parce que l'action est assez douteuse. Bon, par contre, sur les contres, ils ont beaucoup de chance. Sur le fait que là, ça part à l'opposé, c'est assez chiant. Il va pas me démo. Ok. Bon, il la touche, c'est pas très grave. Wow. Par contre, ils aiment pas trop viser le but, apparemment. Tant mieux, c'est pas quelque chose dont je vais me plaindre. Par contre, ce que je vais me plaindre, c'est que j'ai pas de boost. Et ça, c'est très très chiant. 2-2. Une voiture au-dessus. Elle va drop un petit peu. Il a encore raté. Le nombre de fois qu'ils ont tiré dans la barre, c'est impressionnant. Hein. C'est impressionnant. Je sais même pas pourquoi il y a 2-2. Si on gagne cette game, c'est un petit peu de chance, je dirais. Ah ouais, frérot. Là, faut s'appliquer. Là, faut s'appliquer. Dommage. Bon, bah j'ai trust, my bad. Bon, une première game pas très convaincante. On va essayer de se rattraper sur la deuxième. Deuxième game également. Bon, c'est quasiment pareil. Ok, donc il me dit besoin de turbo. On va essayer de lui faire un back left. Ça a été bloqué instant et du coup, il n'y a pas but, ça va. Ça aurait pu. Ma petite touche est là et elle était très très importante, je pense. Ça a lobé le premier et ça a évité une contre-attaque trop rapide. Ou une attaque tout court, dans tous les cas. C'est quasiment pareil. Ok, mon allié est derrière, je vais la mettre sur le côté. Je pensais qu'il suivait un peu plus près, mais pas du tout. Là, c'est compliqué. Il peut pas aller dessus, je pense, mais il va y aller quand même. Du coup, je la mets sur la droite. Ah, mais je me fais énormément feinter par mon allié, là. Il a pas envie de turn, alors que c'est clairement à son tour. Si on va patienter... Wow, on a beaucoup de chance, hein. Il a très bien joué en face, là. Ok, je vais prendre mon temps, là, il y a personne qui me joue. Ok. Ça, c'est quelque chose qu'il faut, bah, du coup, pas faire, hein, les gars. Si vous êtes ce type de joueur, bah... Voilà, quoi. Vous gâchez toute mon action. Et votre... le rythme de la game, tout, et puis... et mon mental aussi. Parce que j'ai plus envie de jouer, du coup. Bon, on va la jouer, hein, évidemment. Mais, c'est assez triste de savoir qu'il y a des gens qui jouent comme ça, quoi. Tout simplement. Un peu dégoûté. Côté, hein. Ah, il panique un peu, hein, mon allié. Heureusement qu'en face, ils sont nuls. Dans le sens où il regarde pas trop ce que fait mon allié. Ok, il rate un peu. Je vais pouvoir mettre ça sur le côté. Bon, j'aurais pas de boost. Je suis encore à 30, donc ça va. Je vais sauter, hein, je pense. Être un peu plus rapide. J'aurais pu double tap avec peut-être 50 de boost. Là j'avais 30, du coup j'ai préféré faire un petit lob. J'aurais peut-être pas dû me jeter ici, j'avoue. Je peux pas la mettre. Ouais. Mais ce que je me disais. Ok, donc là il se fait démo, c'est pas très grave. On arrive un peu après shoot, mais comme on a les démos, c'est pas vraiment une bonne action. Faut que je rotate très très vite. Ok. Bon, la game est très très bizarre. J'ai sauté un peu tôt, mais je peux peut-être corriger mon erreur, non? Ok. Bon, je vais quand même chercher du boost. On va follow face. Ici, mon allié est parti tout à gauche. Du coup, on va bien la mettre à gauche. Bon, elle était clairement pas assez forte. Bon, là, il fait n'importe quoi. Ah, j'ai pas les mots. Je vais rester positif, mais il fait n'importe quoi. Hop. Ok, la démo pas mal. Bon, dommage que je me jette avant qu'il démo, mais... Je peux quand même prendre le boost ici, pour pas qu'il en ait. Et laisser la balle. Ok. On s'en sort, on s'en sort. En vrai, il y a que 0-0, hein, je... Mais juste, la game est assez bizarre. Il peut peut-être turn.
peux aller dessus s'il veut pas. Ok, il s'en sort. Très bien. C'est bien joué. Il a bien turn là pour le coup. Je lui ai mis une petite balle dessus. Hop, le t'es jeté dessus. Non, c'est bien joué. Ah, j'ai qui bob. Bon. Tout va bien. C'était un bait, évidemment. Ici aussi, on va bait un coup. Elle est à côté. Et je vais pouvoir la mettre aussi également ici. Fake. Ok. My bad. En fait, j'ai mis un coup de frein trop fort. Ah, il s'est fait avoir ici. Bon, il y a toujours 1-1. C'est pas très grave. On a encore du temps, du coup, on peut jouer. Je vais essayer de me démo, ça se voit, mais je sais pas ce que j'essaye de faire. Ok. Encore peut-être. Non, il l'aura. Ah si. Il l'avait en premier, le mec en face, mais il voulait pas aller la chercher, je sais pas trop pourquoi. Ok, bon, j'étais là au cas où il ratait. Ouais, j'ai raté. Là, c'est clairement ma faute. Je savais que mon allié avait pas de boost et il est parti devant. Je l'avais vu, hein, même si c'est pas un bon truc à faire. C'est un peu ma faute. Ok, il me bloque encore une fois. J'ai l'impression que mon allié, en fait, il regarde pas autour de lui. C'est la deuxième fois qu'il me vole des balles. Enfin, deuxième fois. Où c'est vraiment gênant. Parce que sinon, en règle générale, ça va encore. C'est pas moi que les mecs en face. Juste, il m'a volé deux balles décisives. Et ces deux balles auraient pu nous donner la game. Dommage, c'est un GG. Pour le coup, aujourd'hui, c'est vraiment pas une réussite. Je pense que je vais essayer de tryhard de mon côté en live tout ça avec de la bonne musique. Et je vous dis à plus pour un prochain épisode. Ciao, ciao!